Correction de l'exercice 1, page 108. On a relevé parmi les cinquièmes d'un collège le nombre d'élèves faisant du sport dans un club. Alors en cinquième A, c'est 8 sur 25, en cinquième B, c'est 13 sur 26, et en cinquième C, c'est 10 sur 25. Complète les tableaux de proportionnalité suivantes. Alors pour l'instant, on ne me parle pas de pourcentage, on me parle de tableau de proportionnalité. On a une colonne avec un nombre d'élèves et une colonne avec un 100 qui va correspondre au pourcentage. Donc la première colonne, ce sont les élèves. Deuxième colonne, ce sont des pourcentages. Donc 25 va correspondre à 100%. Par la suite, lorsqu'on aura rempli ce tableau de proportionnalité, on pourra savoir 8 sur 25, c'est combien sur 100. Donc ici, puisque c'est un tableau de proportionnalité, on peut utiliser toutes les règles que l'on a apprises sur les tableaux. La méthode 1, qui multiplie une ligne pour obtenir la deuxième ligne. La méthode 2, qui multiplie une colonne pour obtenir une autre colonne. La méthode 3, qui ici ne marche pas puisqu'on n'a qu'une seule colonne complète. Donc la méthode 2 ici est bien adaptée, puisqu'en multipliant par 4 la première colonne, on obtient la deuxième. 25 fois 4, ça fait 100. Donc pour trouver le nombre manquant, c'est 8 fois 4, 32. Donc 32 sur 100 correspond à 8 sur 25. Nous avons déjà ici un pourcentage. Et donc pour compléter la question B, le pourcentage d'élèves de 5e A qui fait du sport, c'est 32 sur 100, c'est-à-dire 32%. Alors de la même façon les autres tableaux, 13 sur 26 c'est encore plus simple. 13 sur 26 on se rend compte grâce à la méthode 1 qu'on peut multiplier par 2. 13 étant la moitié de 26, eh bien 50, la moitié de 100, me donne 50 sur 100, le pourcentage d'élèves faisant du sport en 5e B. 50%. Troisième tableau, 10 sur 25, eh bien c'est le même cas que pour le tableau de la 5e A. On va utiliser la méthode 2, en multipliant par 4 la première colonne, on obtient la deuxième colonne, donc ça me donne 10 fois 4, 40, et donc 40% des élèves font du sport en 5e C.